À quoi ressemblent les pays du monde? Alors, tout d'abord, on n'a pas un pays, mais un continent. C'est l'Afrique. Et pour moi, ça ressemble à une tête. Voilà. Du coup, voilà, je vous mets un petit montage ici. Voilà. Nul. Alors ensuite, on peut parler de l'Amérique du Sud, qui ressemble à la fouine. Voilà. Évidemment. Et si on le tourne de côté, ça ressemble à un tamanoir. Super. Alors ensuite, il y a Cuba qui ressemble à un aspirateur. Je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Il y a le Chili hein, qui ressemble à un bâton. Voilà. L'Australie. Alors l'Australie, elle ressemble à un lapin qui a le cancer. Voilà. L'Andorre, ensuite. L'Andorre, on dirait un petit caillou. Voilà. Un petit caillou, l'Andorre. Ensuite, il y a l'Italie, on dirait une botte. LOL. Et sinon, il y a le Centrafrique Tchad qui font une botte aussi. Du coup, ça fait une opposition entre les bottes de riches et les bottes de pauvres. Ah, du coup, sinon, il y a la Croatie, ça ressemble à un os de poulet, c'est rigolo. Il y a la Corse et la Sardaigne qui font évidemment une bougie, c'est incroyable. Oh my god, les amis. Bon, bah, la Grèce, ça ressemble à un pays en ruine. La Turquie, bon bah ça ressemble à un kebab, hein, pas trop de surprise à ce niveau-là. Le pays à côté de la Grèce, on dirait un doigt d'honneur, c'est rigolo. La Tunisie, elle ressemble à un pays. Le Colorado, ensuite, c'est pas un pays, mais on parle quand même du Colorado, ça ressemble à un Tupperware. Le Togo, ça ressemble à un stylo, mais eux, ils savent pas écrire. Le Bénin, il fait penser à une glace, à Ben & Jerry's. Ah, si vous voulez une petite méthode pour vous rappeler, Ben & Jerry's, voilà, incroyable. Alors la Roumanie, ça ressemble à un poisson, comme le dirait Cyprien. La Somalie, ça ressemble à un hippocampe. Le Népal, ce n'est pas un Népal. Donc voilà, déjà là on est sûr que ça n'en ressemble pas à un nez. Le Niger, ça ressemble à une cuisse de poulet, donc vraiment aucune intention raciste, vraiment aucune. Voilà, le concept vient des Américains. C'est eux qui ont importé ça en France. Et du coup, maintenant en France, on dit Ah, le Niger, ça ressemble à une cuisse de poulet. Enfin, bref, voilà. Le Qatar, ça ressemble à un baril de pétrole. Bon, là non plus, pas trop de surprise, hein. Le Mexique, ça ressemble évidemment à un porte-manteau. Le Laos, ça ressemble à une tache de vomi. Et l'Allemagne, ça ressemble à une croix.